Hello, everybody. Hello. Welcome back. So I hope you are all gaining a good experience with us, with Dr. Othman Bashir. So this is our last training, which will be in French language. By the way, this is my colleague, Mr. Azam Khan. I am Jehun Gasanov. So I really wish you good luck. And I'm passing my word to Ms. Nebka Khmaidi. She is our dealer. And today she will take care of your question answer as well. Yes, please. Thank you. Thank you. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Nebra Ahmedi. Je travaille chez Distrimed. Nous représentons la marque Lazotronics en Tunisie. Aujourd'hui, Dr. Othman Bashir va nous parler de deux longueurs d'onde. La 635 et la 405. La représentation va durer entre 50 minutes et une heure. Merci d'éteigner vos micros. À la fin de la représentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je donne la parole à Dr. Bashir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour toute la francophonie, les Africains, les Européens. C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous cette modeste expérience dans le laser. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est au dernier module. Donc, je vais partager avec vous tout de suite ma présentation. Aujourd'hui, on va parler de deux longueurs d'onde essentiellement, c'est la 635 et la 405. Quand on parle de 635, c'est une longueur d'onde qui est très très intéressante. À mon sens, c'est une longueur qui doit être bien expliquée. Elle trouve énormément d'indications dans notre pratique quotidienne. Pas mal de gens l'ignorent ou ignore son utilisation, mais il y a toujours un début. Pour ceux qui l'ont, c'est exceptionnel, c'est bien. J'espère que ça va être d'une grande aide, ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour ceux qui ne l'ont pas, je les invite vivement à s'en procurer, surtout pour ceux qui s'intéressent énormément à tout ce qui est non chirurgical. Les utilisations de la 635 sont énormes. J'ai exprès choisi les domaines les plus prisés et surtout dans notre pratique quotidienne, à savoir la parodontologie, la chirurgie et autres. Mais il y a d'autres indications. Mais on n'a pas en une heure le temps de faire toutes les spécialités. Donc, j'ai choisi exprès de commencer par la parodontologie, qui est le nerf de guerre dans notre pratique quotidienne. Comme vous savez, surtout pour nous, les Maghrébins, on a une très, très grande prévalence de parodontite. Donc, je vais résumer un petit peu les étapes de traitement en parodontologie. Grâce à ce laser-là et grâce à son aide, je répète toujours que le laser n'est qu'une aide à notre thérapeutique classique parodontale. Donc, en utilisant ce laser-là, on va améliorer nos résultats. Donc, l'utilisation de ce laser, elle est simple. Ça va du diagnostic, c'est-à-dire la 405, au traitement. On a parlé avant de la 980 qui est purement chirurgicale et la 635 qui est utilisée dans tout ce qui est non chirurgical et le post-op, on va utiliser encore la 635. Donc, vous allez le trouver aussi bien dans le traitement que dans le post-op. Le diagnostic, quant à lui, il est essentiellement fait par la 405. Ça, c'est un résumé des trois longueurs d'onde, comment on va les utiliser en parodontologie. On va commencer par ce qui est classique chez nous, c'est les gingivites. Comme vous savez, pour les gingivites, on a un arsenal pour cette longueur d'onde de 635. Donc vous avez, je le répète, vous avez des lunettes qui sont fournies dans la petite mallette. Vous avez les bleus pour vous, praticiens, et vous avez les verts pour les patients et les assistants. Vous avez aussi des pièces à main, des embouts, tout ça, on va le voir en détail tout à l'heure, comment on va les utiliser.
Je reviens toujours à l'interface qui est intuitive, comme un téléphone tactile. Donc, c'est en haut et à gauche. La 635, elle est bien encadrée. Quand vous appuyez sur ces cadrans-là, vous avez soit la biomodulation pour la LT ou vous avez la photo des infections qui est en bas. Donc, vous avez deux grandes lignées de propositions de traitement. Après, quand vous cliquez, vous allez trouver d'autres sous-titres ou sous-traitements qui vont vous permettre d'avoir un large spectre de traitement avec cette longueur d'onde là que j'admire énormément. La première, par exemple, là c'est en anglais, mais je peux faire la traduction, c'est presque la même chose. Par exemple, les gingivites. Donc, vous partez à la parodontologie, slash, vous allez trouver gingivite. Vous pouvez trouver de l'endo, vous pouvez trouver de l'inflammation, vous pouvez même faire de la dentisterie conservatrice pour désinfecter une cavité de classe 1 ou de classe 2, une dentinite moyenne, profonde ou autre. Vous pouvez aussi désinfecter les poches, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, vous avez énormément de propositions de traitement. Là, on va commencer par la gingivite. Donc, quand vous cliquez, vous passez directement à la gingivite. Quand vous passez à la gingivite, il vous demande, par exemple, pour la PDT, d'utiliser cet applicateur-là que vous avez en bas à gauche. Donc, une fois que vous montez l'applicateur dans votre pièce à main, vous cliquez sur la fameuse étoile qui devient orange. À ce moment-là, elle est prête pour l'utilisation. Qu'est-ce que vous voyez maintenant ici illustré dans cette image-là? C'est-à-dire, une fois que vous avez appuyé sur la pédale, vous avez cette fameuse lumière de 635 qui va aller vers les tissus mous essentiellement grâce à cet applicateur-là qui va aiguiller cette lumière vers la structure cible, notamment ici. Vous avez aussi d'autres artifices, comme des embouts ici, qui peuvent être montés sur la pièce à main. Vous avez aussi un embout qui est plus large. Donc, cette photobiomodulation ou cette 635 va essentiellement aider à réduire l'inflammation et les douleurs des gencives, à accélérer la régénération ou le potentiel de cicatrisation. Et vous pouvez aussi effectuer un traitement après la thérapeutique, c'est-à-dire pour aider à la cicatrisation. Donc, pour la photobiomodulation, on a ces trois ongles-là, du plus petit, vous voyez au milieu, le moyen qui est à droite et le plus large qui est à ma gauche. Donc, ces embouts-là sont essentiels dans l'utilisation, surtout dans notre pratique. Pourquoi? Parce que chaque indication a un embout spécifique. Si vous avez, par exemple, fait une petite papille, vous n'avez besoin que d'un petit embout. Si vous faites une grande partie, c'est-à-dire que vous voulez avoir un large champ opératoire, vous êtes obligé d'élargir votre champ et d'utiliser ce qu'il y a à ma gauche, qui est beaucoup plus grand. Ou vous pouvez quasiment utiliser l'embout qui est moyen de 8 mm que j'apprécie énormément, que vous pouvez monter sur la pièce à main qui, à mon sens, répond à toutes les indications. Le 8 mm, pour moi, j'en dirai pas plus, c'est mon air de guerre chaque jour. Je change rarement les embouts, donc le 8 mm est tout le temps monté dans mon laser. Je reviens à le petit embout. Comme ici, donc ça vous donne une idée, si vous traitez une papille ou une inflammation de papille, ça vous permet de concentrer toute l'énergie sur cette papille-là, donc vous n'avez pas besoin d'un grand champ ou d'une grande pièce à main ou d'un grand embout, et vous voyez la lumière en haut à gauche, comment elle va diffuser, c'est-à-dire elle va diffuser d'en haut vers le bas. Et c'est ça ce qu'on cherche. On cherche un potentiel réparateur. Et donc si vous voulez la réparation, si vous voulez avoir une cicatrisation, vous êtes amené à envoyer l'énergie en profondeur. Et je répète, là, ce n'est pas un geste chirurgical, c'est du non-chirurgical. Là, on veut juste stimuler ce qu'on appelle le potentiel réparateur. La même chose ici, ça peut être en bas ou en haut. Là, c'est un syndrome du septum. Là, si je veux encore un spectre un peu plus grand, à ce moment-là, je vais utiliser un embout plus grand. Vous pouvez aussi l'utiliser après une thérapeutique initiale. Dans les gingivites, c'est un cycle thérapeutique généralement de 3 à 5 jours, ça ne demande pas énormément de temps. Et donc, vous pouvez voir chaque jour votre patient. Après 3 jours pour la papille interdentaire, c'est déjà très réglé avec un petit embout. Pour les parodontites, c'est ça ce qui nous intéresse le plus vu la prévalence de cette maladie dans notre continent surtout. Nous, en Europe, il y a aussi la parodontite.
Donc, c'est un problème quotidien. Comme je vous ai dit, ça ne change pas nos thérapeutiques classiques. Par contre, on va ramener un artifice nouveau pour améliorer nos résultats. Donc, la procédure, elle est simple. Je vais la résumer ici, après on rentrera dans les détails. De gauche vers la droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez avoir la procédure de décontamination. Et là, les gens vont commencer à se poser des questions. Pourquoi on va faire ça? On va décontaminer la bouche du patient ou la poche du patient ou les gencives du patient bien avant de le toucher. Et ça, ça change un petit peu nos habitudes. Et je vais vous dire pourquoi. Puis, après, vous pouvez faire votre examen, c'est-à-dire votre sondage de poche classique avec votre sonde classique. Ça ne change absolument rien. Puis, une autre séance où vous allez faire votre détartrage sur passage radiculaire. Et puis, vous allez faire la décontamination. Donc, pardon, excusez-moi. Désolé, j'ai appuyé sur quelque chose. Voilà. Puis, vous allez, comme j'ai dit, vous allez décontaminer. Puis, on aura la coagulation juste après. Juste une minute, ça, on va s'arrêter. C'est quoi les avantages de cette thérapie parodontale laser assistée? D'abord, c'est l'effet antibactérien. Comme vous le savez, la première des choses qu'on essaie de donner à nos patients, c'est cette fameuse association d'amoxicilline-métronidazole. Donc, ils nous ont toujours préconisé de donner cette association-là sur 14-15 jours de semaine pour avoir l'aspect sur les bactéries qui sévissent dans les couches parodontales ou dans le parodonte de notre patient. Puis, pour ceux qui ont des allergies, une association de spiramycine-métronidazole. Je ne rentre pas dans les détails, vous les connaissez mieux que moi. Donc, là, le laser va avoir ce qu'on appelle un effet antibactérien. Donc, il va être pour la sélectivité. On va le détailler tout ça. Nous allons avoir aussi permettre à des fibres fines d'atteindre les poches étroites, c'est-à-dire les plus fines. Et on aura aussi la possibilité de décontaminer tout ce qui est furcation ou une structure, une architecture ou une morphologie de racine qui est compliquée. Comme vous le savez, vous avez du mal à rentrer si vous ne faites pas un curtage à ciel ouvert. Vous allez décontaminer les petites furcations ou des racines avec une architecture assez compliquée. Donc, comme je vous ai dit, la première étape, c'est la décontamination préopératoire. Pourquoi? Tout simplement, ça va réduire la propagation microbienne à travers le système circulatoire. C'est ça ce qui nous intéresse. Si votre patient a une gingivite ou il a une parodontite, ça veut dire que sa bouche est devenue un milieu de culture. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est tout le complexe de Sokranski qui va rentrer en jeu. Donc, si nous, par exemple, on veut se précipiter, on prend notre insert ultrasonique et on commence à détartrer ou à rentrer dans les poches, vous savez, vous allez faire ce qu'on appelle un largage dans la bouche. Nous, avec le laser, ce qu'on va essayer de faire, c'est de diminuer ce largage, c'est-à-dire diminuer cette flore bactérienne qui est dans la bouche des patients. Tout simplement, vous allez envoyer ce qu'on appelle la lumière laser, surtout dans les poches parodontales, vous allez faire un petit passage dans toutes les poches, ou une poche, et dans tout le système. Ça va vous permettre d'avoir une diminution de cette propagation ou ce largage bactérien, et après, vous allez libérer votre patient. C'est ça la première étape. Normalement, c'est ça la première étape. Et vous devriez expliquer à votre patient que cette étape-là est une étape clé et que ça va améliorer les résultats et surtout faciliter la tâche après. Pour ceux qui le font chaque jour, avec une gingivite ou une parodontite, dès que vous utilisez votre premier insert, ça va gicler dans tous les sens, le champ opératoire devient ensanglanté dans tous les sens, et vous dites au patient, allez, on va faire la deuxième séance, la prochaine fois. Donc c'est ça, c'est un geste qu'on a eu tous, et qu'on doit essayer un petit peu de le contrecarrer par une séance de plus, qui est cette utilisation pour décontamination avec la lumière laser. Comment on va décontaminer? On peut utiliser notre NAP 180, comme on peut utiliser la 630. Généralement, on utilise la NAP 180, elle est très facile, la fibre est facile, vous pouvez mettre de l'eau oxygénée partout, ou vous pouvez ne rien mettre, vous pouvez juste passer avec la lumière. Cette fibre-là de 320, elle a la possibilité de passer dans toutes les poches, et passer dans tout le parodonte. Donc, c'est un geste qui prend maximum 5 minutes, et ça vous permet d'avoir
une diminution des charges bactériennes dans le parotente. Ben, l'étape 2, c'est l'étape qu'on devait faire, nous, la première fois. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est l'examen parodontal. C'est notre fameuse sonde parodontale. Donc, à ce moment-là, vous allez faire votre sondage tranquillement. Vous pouvez sonder toutes les dents. Vous pouvez vous focaliser sur votre problème. Ça vous donnera une idée sur la gravité ou la sévérité de la maladie. Et après, ça va vous aiguiller dans le choix de votre et le choix du diagnostic, des moyens de thérapeutique et poser le diagnostic. L'étape 3, c'est l'étape classique. C'est l'étape de surfaçage radiculaire, l'étape de surfaçage. Chacun comment il les fait. Soit vous les faites classiquement à la curette de Grasset, soit vous le faites aux ultrasons. Donc chacun, il les fait comme il veut. C'est la même chose pour moi, sauf le temps, mais chacun, il peut utiliser ce qu'il préfère. Donc, cette étape-là va nous permettre essentiellement de travailler sur la paroi dure de la poche, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est calcul ou tartre qui est collé sur le sémon radical. Donc, cette étape-là est une étape très importante. Soit vous le faites aux ultrasons, c'est ce que je fais moi-même. Donc, j'ai toujours mon ultrason. J'ai une curette que je peux monter sur ma pièce à main. Bien sûr, il faut un réglage spécifique. Le réglage du détartrage n'est pas le même que le réglage du surfaçage. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de praticiens qui se trompent. Ils utilisent des inserts différents. Ils ne changent pas de réglage. Le réglage pour enlever le tartre est un réglage spécifique, et le réglage pour le curetage ou pour le surfaçage avec une curette montée sur pièce de main est aussi spécifique. Donc il faut faire très attention, on ne peut pas utiliser une puissance énorme. Donc généralement tous les fabricants, surtout les fabricants sérieux, ils ont un réglage qui est préétabli, il faut le suivre. L'étape 4, c'est l'étape de décontamination. Vous pouvez revenir aussi à la 980. Cette étape là va vous aider à éliminer tout ce qui est biofilm à l'intérieur de la poche et dont il est conjonctif sous-jacent jusqu'à une profondeur de 500 microns, 5 mm. Ça, c'est publié. Pourquoi? Parce que le grand problème qu'on a avec ce complexe de surtranscrit, c'est le performant gingivalis. Le performant gingivalis est une bactérie très, très résistante, hyper résistante et essentiellement responsable presque de toutes les récidives. Pour l'atteindre, cette bactérie-là, il y a eu pas mal d'études, donc il faut aller en profondeur. Et la lumière à laser, vu qu'elle a ce potentiel d'aller vers la profondeur de se propager, donc elle peut atteindre cette bactérie-là qui est responsable de ces problèmes-là, de ces récidives-là. Donc, toutes ces méthodes-là vont nous assister dans notre thérapeutique parodontale classique. Donc, ça va compléter les méthodes conventionnelles de débridement et autres. On va encore décontaminer, comme vous voyez. Donc, vous avez ça. Puis, on passe à notre curetage parodontal. Là, c'est une quintessence de tout ce qui se fait avec les presses, les deux longueurs ou trois longueurs. Donc, on avait parlé de curetage. Et quand on avait parlé de curetage, c'est un acte chirurgical. Donc, on va cureter la paroi molle de la poche. Là, on va activer la fibre, bien sûr. Il faut l'activer. Et comme je vous ai dit, en résumé, vous allez l'activer, vous allez rentrer, vous allez faire ce mouvement-là qui est illustré sur la dent, en horizontal, aller-retour sur la face vestibulaire, et faire sortir la fibre, la nettoyer, ça c'est très important, comme je vous l'ai dit la dernière fois, puis la refaire rentrer, refaire le même geste, puis la nettoyer, puis refaire le même geste. Une fois que vous avez la fibre propre, nickel, ça veut dire que votre débridement de la paroi moelle est terminé. Ça veut dire que votre paroi moelle, elle est propre, donc vous pouvez aller à l'étape suivante. Donc, ça, c'est très important. Donc, le curetage se fait avec la 980, avec une fibre qui est active. Pour la décontamination, donc, qu'est-ce qu'elle nous ramène, cette fibre optique? Elle va nous ramener dans une poche qui est enflammée, ce qui est très important. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire entrer des instruments parodontaux classiquement qu'on utilisait. Donc, vous n'allez pas à déchirer votre parodonte, surtout si vous avez un parodonte fin. Et comme on a une grande concentration de chromophores, comme je vous l'ai dit, ces bactéries sont généralement brunes, donc ils vont absorber cette lumière-là. Donc, plus la poche est profonde au sondage, plus ça va nécessiter un peu de temps, donc parce que vous allez avoir à faire une surface beaucoup plus importante, à décontaminer et à curer. Donc,
plus vous n'avez plus de débris sur la fibre, comme je vous l'ai dit, plus votre thérapeutique elle est propre et donc plus vous nettoyez ce que vous avez dans la poche parodontale. Et après, vous allez avoir un saignement qui est frais ou un saignement que vous allez voir à l'œil qui est différent du saignement inflammatoire. C'est ce saignement-là qui va nous aider, nous, en tant que praticiens, à notre régénération et qui contient tous les facteurs de croissance. L'étape 5. Pardon? Oui? Ça coupe un peu. Ça coupe un peu. Il y a certains participants qui n'arrivent pas à entendre. À entendre? Et vous m'entendez? Est-ce que chez vous, ça coupe quand vous m'entendez? Ça coupe. Chez certains participants. Normalement, j'ai une très bonne connexion. Donc, si vous voulez que je répète, vous me faites juste signe de quel slide je vais répéter et je répète. Il n'y a aucun souci s'ils ne m'ont pas entendu. D'accord. Il n'y a aucun souci. Et vous, je vais répéter. J'ai le temps, donc je suis à vous. Donc, moi, je prends mon temps. Donc, vous voulez que je répète un petit peu? Je ne sais pas si qui est parmi les participants qui n'arrive pas à entendre. Yes, Dr. Parasman. Yes. Bit closer with laptop if possible, because your voice is sometimes hanging. Okay. Now you can hear me now? Now is better. Yes, is good. Yes. Il y a okay. Un parasite. Okay. Très bien. Peut-être qu'il y a un parasite ou il y a de l'écho, peut-être. Mais normalement, j'ai une très bonne connexion qui est stable parce que je l'ai contrôlée avant. Il n'y a aucun souci. Sinon, pour ceux qui ont un problème, ils me posent des questions après. Je peux récapituler. Monsieur Henri a dit qu'il y a un parasite. Hein? Ah, il y a un parasite. Je pense pas que je suis seul, donc il n'y a pas de... Ok. D'accord, allez, on va continuer. Si vous avez un problème, vous m'arrêtez, moi je change de place. D'accord. OK? D'accord, vous pouvez reprendre. Oui, je peux reprendre, il n'y a aucun souci. Donc, l'étape 5, comme je l'ai dit, c'est l'étape de désépithélisation de la poche externe. Et là, c'est nouveau pour les praticiens. Même moi, quand je l'ai entendu la première fois, je n'avais pas compris. C'est-à-dire que vous allez, avec votre fibre 980, toucher l'épithélium de l'extérieur. C'est-à-dire, si la paroi de la poche molle elle est de l'intérieur, vous allez faire un picotement par des pointillés blancs sur la partie externe. Et donc, la question va se poser pourquoi? Pourquoi on va faire cette désépithélisation de la partie externe de la paroi molle de la poche. Ben, tout simplement, si on revient au dogme de la parodontologie, on a ce qu'on appelle une compétition cellulaire dans la cicatrisation. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est une réattache ou carrément une migration osseuse si on est chanceux et une fermeture de la poche ou une réduction de profondeur de poche. Si nous, on ne désépithélise pas la poche de l'extérieur, cette compétition cellulaire, peut-être qu'on aura les tissus mous qui vont arriver en premier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va stimuler ou désépithéliser l'épithélium de l'extérieur pour le pousser à cicatriser vers l'extérieur au départ et laisser le sang qui est à l'intérieur régénérer, laisser place aux autres cellules pour arriver en premier. Donc, en fait, cette compétition cellulaire, donc on n'a rien imaginé. C'est juste qu'on va respecter les dogmes de parodontologie. Donc, on va pousser l'épithélium à cicatriser d'abord de l'extérieur et après à l'intérieur. De cette façon-là, on aura laissé le temps aux autres cellules d'arriver en premier à l'intérieur de la poche. Puis vous avez la dernière étape, c'est l'étape de coagulation. Cette étape-là, c'est juste pour stabiliser le caillot, comme on l'a dit la dernière fois, que vous pouvez faire avec la 980, bien sûr, activée, parce que là, on veut que le sang coagule dans la poche. Vous pouvez le laisser et il va coaguler et c'est lui qui va être responsable de tous les facteurs de croissance qui sont dedans dans la cicatrisation. Puis, on va arriver à ce qu'on appelle les soins post-op. Là, on n'est plus dans le chirurgical, c'est-à-dire qu'on va utiliser une autre lumière, qui est la lumière de la 635, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on va biostimuler. Pourquoi on va biostimuler?
on va aider ce site-là à cicatriser rapidement. Donc, nous, on va le stimuler pour activer la circulation sanguine et aussi réduire l'œdème et la douleur post-op. Surtout pour ceux qui font de la chirurgie, vous avez des douleurs en post-opératoire, vous avez des fois des petits enflements ou des œdèmes. Là, avec la 635, vous allez les diminuer. Puis, on va stimuler en profondeur la prolifération des cellules endothéliales. Comme vous l'avez tout à l'heure vu dans le schéma de l'embout de la 635, elle va aller en profondeur. Et là, on n'est plus dans l'effet de coupe. On est plus dans un effet de stimulation. Et on va augmenter la production des collagènes et des fibroblastes grâce à ces stimulés. Donc, cette 635, vous allez appuyer sur la partie ou la case qui correspond. Vous allez aller vers la cicatrisation post-chirurgicale. L'applicateur, il est là de 8 mm. Il suffit juste d'appuyer et vous avez la lumière qui va sortir. Vous appuyez un seul clic. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de garder le pied sur la pédale. Vous appuyez une seule fois, c'est one shot, et vous allez, c'est pré-réglé, et au bout de quelques secondes, ça va s'arrêter. Puis vous recliquez, au bout de trois fois, vous vous arrêtez. Vous pouvez faire en vestibulaire, les côtés, les autres côtés, ou si vous voulez faire en lingual aussi, il n'y a aucun problème. La PDT, ou la photo des infections dans le traitement parodontal. On avait parlé de désinfecter le canal par la 980 et le contenant de la poche. On peut aussi associer à ça, le même jour, la désinfection avec la 600. Et quand on parle de désinfection, c'est aussi bien les bactéries que les virus et mycoses aussi. Parce que, comme je vous dis, c'est un milieu de culture, la bouche est un milieu de culture. Pourquoi ? Grâce à ces 635, on va utiliser ce qu'on appelle des photosensibiliseurs. Des photosensibiliseurs comme le bleu de méthylène, bleu de toluidine ou oxygéné. Généralement, on utilise, chez tout le monde, ils utilisent l'eau oxygénée parce que c'est lui qui est facile à utiliser, on le trouve partout, donc ce n'est pas sorcier. Le bleu de toluidine, bleu de méthylène, vous devriez l'acheter spécifiquement. Chez l'azotronix, on va le voir tout à l'heure, vous avez des petites seringues qui sont prêtes à l'emploi. Il suffit juste d'injecter dans la poche et après envoyer cette lumière-là. Pourquoi on utilise cette PDT ? Ben, vous avez, c'est pour aller traiter tout ce qu'on appelle une résistance bactérienne. Comme vous le savez, ce qui est problématique chez les paros, c'est cette récidive-là, c'est la hantise de tout traitement parodontal. C'est après quand vous allez faire votre status radiologique, après 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, et vous trouvez encore des lyses ou des pertes d'attache ou autre. Devant votre patient, vous n'avez aucune explication. Le patient ne comprend pas ça. Il est venu avec situation à J0, et vous lui avez promis que vous allez au moins, au moins stabiliser l'évolution de la maladie parodontale. C'est ça le cahier de charge d'un parodontiste avisé. Au moins arrêter la progression de la parodontie. Le guérir, c'est autre chose. Le régénérer, c'est autre chose. Mais au moins stabiliser, c'est-à-dire garder la situation dans laquelle est venu J0 le plus possible dans la vie. Pour ne pas avoir une perte osseuse verticale et après une perte des tissus mous. Donc ces résistances-là, on va les attaquer d'une façon spécifique. Grâce à cette 635, grâce à ce phénomène de PDT, c'est une faible lumière qui va utiliser ce photosensibiliseur qui va colorer ces bactéries ou qui va se transformer comme l'oxygène en oxygène singulé qui est très bactéricide et qui va attaquer cette paroi bactérienne. Cette PDT, elle est répétitive, c'est-à-dire que vous pouvez le répéter une fois ou deux fois. Donc, ce n'est pas comme des bactéries. Comme des antibiotiques, vous ne pouvez pas en donner la première fois 15 jours, puis vous rajoutez 15 jours. Il n'y a aucune explication à ça. Donc, la PDT, elle est répétitive. Vous pouvez juste injecter le colorant que vous avez ou d'oxygéner. Vous pouvez répéter la procédure autant que vous voulez. L'avantage aussi, c'est qu'on ne va pas chauffer les tissus. Et ça, c'est très important. Donc, vous êtes dans une moyenne entre 0,5 et 3,9. Moi, je peux vous dire que même quand je mets mon doigt à côté de l'embout, je sens à peu près une toute petite chaleur. Donc, il n'y a aucun effet nocif sur les tissus. Et ça, c'est très important. Donc, vous n'avez aucun effet nocif sur les structures sous-jacentes. Ce n'est pas comme l'effet thermique, par exemple, de la 980 quand elle est activée. Là, oui, il y a un effet thermique qui est considérable. Donc, il faut faire très attention. La 635, il n'y a pas un grand effet thermique. Donc, la variation de température, elle n'est pas énorme. Donc, ces photosensibiliseurs vont pénétrer dans les tissus jusqu'à une profondeur de 12 microns. Donc ça, c'est très important. Ce qui correspond à une moyenne de couches des cellules, c'est très, très important. Donc, ça va envoyer profondément
les bactéries et les tissus. Et on va attaquer ce qu'on appelle notre fameux AA, c'est les bactéries, le performance gingivalis. Le AA, au bout de 20 minutes, il est mort, en principe. D'après les études, il est mort. Le performance gingivalis, c'est la bactérie qui va résister le plus. Et donc, c'est dans cette optique-là que cette PDT-là va retrouver sa indication. Donc, vous pouvez en trouver des analyses. Là, c'est des méta-analyses qui parlent de cette PDT-là. Donc, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien qui a été mis ou publié comme ça. Donc, il y a eu des études et même des méta-analyses, ce qui fait que c'est très important. Et donc, c'est un outil important à mettre au service de notre traitement parodontique. Ça peut être aussi une alternative aux antibiotiques, parce que comme vous le savez, je pense qu'en Europe, ce problème n'existe plus. Mais nous, dans nos pays maghrébins, on a beaucoup d'automédication. Donc, quand vous donnez à votre patient un antibiotique, vous allez rencontrer énormément de résistance. Pourquoi ? Parce qu'il a ingéré énormément d'antibiotiques sans ordonnance, pour d'autres raisons, pour X raisons, ou pour les mêmes raisons. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir un effet qui est palpable. Et donc, il y a beaucoup de récidives. Vous éliminez à peu près une grande partie de bactéries, donc vous désinfectez énormément. Vous n'avez pas de réaction allergique. Vous n'avez pas de résistance bactérienne. Et il n'y a pas de contre-indication, même chez les femmes enceintes. On parlait même de femmes enceintes, il n'y a aucun problème. Et donc, vous pouvez fluidifier tout le système avec votre colorant et vous pouvez passer comme dans ce phrasacoda, avec cette lumière-là, là où vous voulez, dans toutes les poches. Donc, c'est tout bénéfique pour nos patients. Pour les indications par odontologie, c'est des indications classiques. Il n'y a rien de sorcier. Des poches de 5, ça vous permet de les traiter d'une façon ou plus, d'une façon exceptionnelle. Et qui ne peuvent pas, à moins si vous faites un curetage à ciel ouvert, de bien attaquer les profondeurs de poche. Elle peut être utilisée dans la phase de maintenance comme après, donc il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez maintenir vos résultats. Vous pouvez faire des rappels pour ceux qui ont des hygiénistes dans leur cabinet, je parle notamment en Europe, où la maintenance et les demises. Donc vous pouvez utiliser la PDT en toute sécurité. Pour ceux qui font des implants aussi, il n'y a pas de problème. Et donc, cette possibilité-là de traiter ou d'avoir ce large spectre de possibilités de traitement sans effet nocif ou effet négatif est très important. Comme je vous ai dit, chez la Zotronix, vous avez des seringues prêtes à l'emploi. Pour ceux qui les ont, donc ils les connaissent. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous avez une seringue pour l'endo, une seringue pour la paro. C'est très, très, très facile à utiliser. Vous pouvez imprégner vos tissus. Pour l'endo aussi, vous pouvez le mettre dans le canal. Il y a des embouts spécifiques de la 635 pour l'endo. Ce n'est pas les mêmes que pour la paro. Ils sont beaucoup plus fins. Ça vous permet d'aller vers l'endodonte ou vers le canal. Vous pouvez l'introduire. Vous avez toute cette lumière-là qui va se propager. Pour la paro, vous avez aussi pour les poches des embouts spécifiques à ça. Ça vous permet de propager la lumière via ce photosensibiliseur une fois que vous avez coloré tout le contenant de la poche. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour une dent naturelle, dans une poche, comme pour un implant. Et pour l'implant, le débat est ouvert. C'est un peu plus compliqué parce que les surfaces ne se ressemblent pas. Et donc, il faut faire très attention. Donc, c'est un liquide qui est facile à utiliser. Vous pouvez l'injecter. Vous pouvez attendre 1 minute ou 3 minutes. Vous pouvez aspirer. Moi, je rince pas, j'aspire un petit peu les excès. Et vous pouvez utiliser l'applicateur soit de la poche, ou de l'endodontie, si vous êtes en endodontie. Et ça vous permet d'envoyer cette lumière-là vers cette zone-là qui n'était pas accessible auparavant avec les instruments classiques. Donc, cette efficacité de la PDT, elle est très élevée parce que cette procédure, elle est répétée. C'est-à-dire, soit vous faites 3 traitements en 7 jours, soit 5 traitements dans 14 jours. Ça dépend de votre cahier, votre agenda, ou si vous avez des collaborateurs. Moi, comme j'ai des collaborateurs, je l'ai fait en 3 fois. Donc, c'est mes collaboratrices qui font la PDT, c'est pas moi, bien avant que j'entame le traitement parodontal. Si c'est vous, vous pouvez le faire en 5 fois, c'est le même résultat, il n'y a aucun problème. Cette 635, elle est aussi utilisée pour traiter un problème qui est récurrent. On est en hiver. Il y a beaucoup de maladies saisonnières comme l'herpès, comme pas mal de choses. Donc, vous pouvez utiliser
des embouts pour, spécifiques pour stimuler cette lésion arthritique, par exemple, ou d'autres qu'on va voir. Donc, il n'y a pas que la parodontie ou l'endodontie. Donc, pour l'herpès, vous pouvez l'attaquer à son stade folliculaire. Vous pouvez voir votre patient chaque 2 jours ou chaque 3 jours. Vous pouvez envoyer de la lumière vers cette zone herpétique. Une fois que vous l'avez envoyé, vous stimulez que le potentiel réparateur. La deuxième des choses avec l'herpès, c'est que vous allez stériliser la zone avec le laser. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les gels classiques ou les pommades de pharmacie. Pourquoi? Parce que généralement, l'herpès, il va récidiver dans le même endroit. Il ne va pas changer de lieu. Donc, ce herpès-là, quand il va récidiver, il va chercher toujours le même endroit. Si vous le désorientez ou vous stérilisez l'endroit, il ne va plus le reconnaître. Donc, il va se chercher, il ne va jamais récidiver. Presque. Ou il récidivera une fois. Mais si vous répétez, croyez-moi, ça ne va plus récidiver. Il suffit juste de le désorganiser à ne pas reconnaître sa place. C'est la chose la plus importante. Deuxième chose, vous avez des fois des lésions herpétiques qui sont douloureuses. J'en ai vu. Il y a des gens qui se plaignent parce que c'est douloureux. Donc, avec la biostimulation aussi, vous pouvez envoyer de la lumière à cette 635 qui va diminuer la douleur et augmenter ce potentiel de cicatrisation. Donc, comme on l'a dit, 2 jours. On peut aussi attaquer les mucosites. Généralement, c'est des inflammations qui sont douloureuses. C'est des ulcérations de la muqueuse. Et là, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui ont vu ou qui voient des patients qui ont un cancer ou d'autres cancers en dehors de la cavité buccale, vous avez d'autres lésions qui se manifestent dans la bouche et vous avez ces problèmes-là qui sont douloureux. Généralement, tous les oncologues aujourd'hui utilisent la biostimulation. Je ne sais pas pour ceux qui ne les connaissent pas, je peux vous en témoigner. Moi, j'ai pas mal d'oncologues amis, ils utilisent énormément le laser pour la biostimulation, pour la cicatrisation. C'est ce qu'on appelle des traitements alternatifs, mais qui ne sont pas chirurgicaux. Et donc, déjà, diminuer le patient et avec immunodéficient, vous n'allez pas vous amuser à lui donner des traitements. Donc, on va juste stimuler son potentiel réparateur qui est diminué par cette lumière-là, qui est la lumière laser. Pourquoi l'utiliser dans la mycosite? Parce qu'essentiellement, on n'a pas d'effet thermique nocif. Et ça, c'est très important. Donc, vous n'allez pas faire de la chirurgie. Vous allez juste chauffer ces lésions-là pour stimuler leur potentiel réparateur. Des fois, on peut l'utiliser même avant de commencer la chimiothérapie ou la radiothérapie, ou pour ceux qui préparent les patients avec des gouttières et autres. Donc, vous pouvez les préparer. Nous, on prépare les patients ici au centre. On a un centre d'oncologie qui est référent. Il nous demande de les préparer avant, en cours et après. Donc, on peut utiliser toutes sortes de traitements, aussi bien les gouttières en application topique que les biostimulations pour les lésions de la cavité buccale avec cette 635. Et le potentiel réparateur, comme je vous ai dit, il est très très important. Pourquoi? Parce que vous allez stimuler en profondeur tout le potentiel et donc vous avez une transformation rapide des cellules. Donc vous avez un turnover qui est stimulé. Et c'est ça ce qu'on cherche. C'est qu'ils cicatrisent. Pourquoi? Parce que tous ces immunodéficients, leur grand problème, c'est cette lenteur de cicatrisation. Plus c'est lent, plus ça devient encombrant pour eux et lourd. Ces lésions-là sont classées de 0 à 4. Je vais passer rapidement, ce n'est pas le moment de le faire. Donc, vous avez de la simple lésion au zéro problème jusqu'à l'inflammation sévère. Donc, vous avez l'énergie qui diffère de 2 joules par centimètre carré à 16 joules par centimètre carré pour les lésions les plus sévères. Et là, on voit, des fois, on voit sur la langue, sur la face interne des joues, le palais aussi. Donc, ça dépend de l'étendue, ça dépend de la sévérité de la lésion. Donc, cette 635, vous allez utiliser un embout de 8 mm. Donc, il suffit juste de le placer. Et vous allez aller vers cette lésion-là pendant cette phase de chimio ou de radiothérapie. C'est, à mon sens, un bon accompagnement pour les patients. Ça leur remonte le moral et ça les aide à cicatriser rapidement. Il y a aussi les lichens plans, pour ceux qui les voient. Donc, bien sûr, il faut confirmer à l'examen clinique cette lésion-là. Vous pouvez l'utiliser avec un photosensibiliseur ou carrément avec l'énergie à un intervalle de 3 à 5 fois. Donc, vous pouvez stimuler toute la zone. Donc, ça vous permet de le traiter. Comme vous le savez, le traitement du lichen plan, allez, on peut donner des corticoïdes, il y en a qui donnent des immunosuppresseurs,
Ça dépend. Mais la cicatrisation est très très lente. On donne des bandes rouges, des préparations officinales spécifiques, mais des fois le potentiel réparateur n'est pas stimulé. La cicatrisation, elle ne se fait pas rapidement. Le patient, il se lasse. Par contre, avec un laser, c'est indolore, c'est répétitif, comme je vous ai dit, et vous avez un gain de temps qui est considérable. L'hélicoplasie aussi, on a une indication. Donc, vous pouvez utiliser la PDT en toute tranquillité. Vous pouvez aussi biostimuler avec la 635. Ça donne de très, très bons résultats. C'est le même protocole, que ce soit pour une lésion classique ou l'hélicoplasie. Si on revient à la chirurgie, on la combine à ça. Donc, vous avez toute une quintessence de bénéfices de la chirurgie avec les coupes précises, l'hémostase, la guérison, la satisfaction du patient. Je répète une fois, ça dépend des tissus, ça dépend comment vous avez traité ces tissus, avec quelle longueur d'onde. N'oubliez pas, c'est juste, là je l'ai mis exprès, c'est juste pour aérer cette présentation, pour vous rappeler ce qu'on a fait. Donc, tout s'imbrique. C'est 1 plus 1 égale à 2. Donc, vous avez une 980, puis vous passez à une 635. Vous pouvez les utiliser en même temps. Ayez en tête, s'il vous plaît, l'eau, l'hémoglobine et la mélanine. Je ne le répéterai pas assez. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais je l'ai fait exprès. J'ai mis ces slides-là pour vous répéter la procédure normale. S'il vous plaît, ayez ça en tête. Ça, c'est pour la chirurgie. Maintenant, on va rentrer dans la photobiomodulation. Pourquoi on biostimule? Pourquoi on utilise 635? Eh bien, tout simplement pour faire appel ou pour augmenter cette microcirculation. Si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qui est responsable si on fait une extraction? C'est d'avoir un alvéole avec du sang ou sans sang. C'est le sang. Pourquoi le sang? Parce que c'est lui qui va ramener tous les facteurs de croissance vers ce site-là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Donc, tout simplement, c'est de ramener les facteurs de croissance vers le site qu'on veut qui est cicatrice. Donc, cette application de lumière d'une façon topique dans la zone qu'on veut qu'elle cicatrise rapidement, c'est elle qui va nous donner cette aisance-là pour faire l'appel du sang avec ses facteurs de croissance et autres vers ce site-là. Donc, je ne répéterai pas assez. Donc, vous avez des embouts, vous avez des calculs qui sont très, très bien faits. Donc, tout ça peut être utilisé d'une façon simple. Maintenant, on va entrer dans la courbe ou la loi qui est la plus intéressante pour comprendre la biostimulation. La question qui va se poser, combien je vais biostimuler? Quand est-ce que je vais biostimuler? Combien de fois je vais voir mon patient? C'est des questions qui se posent. Depuis que j'ai commencé à faire le laser, chacun il avait sa recette et chaque fabricant disait sa recette. Mais il n'y avait pas de fondement physique, il n'y avait pas de fondement logique. Pourquoi? Parce que la science est logique, c'est une science exacte. Donc la biophysique ou la physique, c'est une science exacte. C'est la loi d'Arnold Schultz, vous pouvez la trouver. Et cette loi-là explique exactement quand et combien de joules vous devriez envoyer dans un site donné. Il y en a qui disent, je vais voir mon patient 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Je vais voir 2 fois par jour. Dans un sens d'augmenter ce potentiel cicatrisation et d'avoir un résultat qui est rapide et efficace. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que des fois, en envoyant, en voulant faire bien, vous avez l'effet néfaste qui s'installe. Et donc, vous allez avoir zéro résultat. Ce qui est important, c'est ça. C'est des valeurs spécifiques, des timings spécifiques. Donc, ça a été déterminé que les valeurs énergétiques au-dessus de 16 joules par centimètre carré inhibent carrément l'activité physiologique. Et c'est ça ce qui est important. Mais imaginez que vous donnez plus de 16 joules par centimètre carré dans une zone et vous voulez que ça cicatrise. C'est quasiment l'inhibition. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous n'avez rien fait. À moi, c'est sincère pour un effet placebo. Par contre, des valeurs énergétiques entre 0,1 jusqu'à 12 joules stimulent l'activité physiologique. Et des valeurs entre 12 et 16 vont favoriser cette activité physiologique. Donc, vous voyez, on est presque entre 0,1 jusqu'à 12, voire maximum 16, avec un pic au niveau de 12. Maintenant, il est clair, c'est qu'entre 4 et 12, vous avez toute cette fenêtre thérapeutique qui est bonne pour nous et qui est bien à utiliser.
Donc, cette loi-là, c'est une loi très intéressante. Donc, n'essayez pas de faire bien en allant donner beaucoup plus d'énergie ou beaucoup de joules à votre patient. Ça va plus inhiber que d'avoir un effet recherché. Donc, par exemple, là, il y a eu une proposition pour un effet de biomodulation, c'est-à-dire dans les cas où vous voulez faire bien, vous pouvez voir votre patient le lundi, le mercredi ou le vendredi. Des fois, c'est largement suffisant de vous le voir le lundi et le vendredi. Donc, vous devriez utiliser le voir au moins un jour oui et un jour non. Vous n'allez pas le voir aussi le samedi. Ça sert absolument à rien. Donc, vous le voyez le lundi, mercredi, vendredi, ou vous le voyez le lundi et le vendredi. Ça dépend de ce que vous avez. Donc, ne cherchez pas à donner énormément d'énergie ou à envoyer beaucoup d'énergie sur le site. Vous allez avoir l'effet néfaste. Un cas aussi qui est d'actualité, c'est les trismus. On ne va pas rentrer dans l'étiopathologie des trismus. Il y en a énormément. C'est comme cette patiente-là qui vient avec à peu près un doigt. On passe à deux doigts au bout de la deuxième biomodulation. Vous voyez, on peut biostimuler de cette façon-là. Là, on biostimule les ATM, mais surtout les muscles élévateurs, essentiellement le masséter. Donc, ce n'est pas sorcier. Ça, c'est au bout de deux fois. Au bout de trois fois, l'ouverture s'est améliorée. Il n'y a eu aucun acte chirurgical. Croyez-moi, aucun acte chirurgical. C'est juste de la biostimulation. Donc, ce que vous voulez faire de la biostimulation, ce n'est pas ça l'effet recherché. C'est juste pour aérer un petit peu la présentation. Donc, si vous gonflez énormément, vous allez avoir que ça, mais ça ne sert à rien. Donc, si on est fort, on est fort. Donc, vous n'allez pas gonfler votre patient pour chercher cet effet-là. La deuxième longueur d'onde que je voulais partager avec vous, c'est la 405. Cette 405, c'est une longueur d'onde intéressante. Elle est aussi non chirurgicale. Elle est fournie dans le laser pour ceux qui ont le laser complet. Ils ont acheté la solution complète. Pour ceux qui ne l'ont pas, je ne le répéterai pas assez. Vous pouvez faire le update. Vous achetez juste une clé USB et vous avez juste une pièce à main spécifique et la mise à jour. Cette longueur d'onde-là, c'est une longueur qui est essentiellement utilisée dans le diagnostic. On a parlé énormément de photosensibiliseurs. Là, on va parler de la fluorescence essentiellement pour ceux qui ont d'autres moyens de diagnostic. C'est une lumière bleue. Donc, vous avez un petit cadran qui est spécifique à ça, qui est dans l'écran. Vous avez aussi des lunettes spécifiques. Pour le médecin, c'est les lunettes jaunes. C'est les fameuses lunettes jaunes. Donc, vous devriez avoir des lunettes jaunes pour faire le diagnostic. Pour les patients et les assistantes, vous avez toujours les fameuses vertes que vous pouvez utiliser en toute tranquillité. Donc voilà, la 405, vous allez trouver en bas à gauche. Pour rappeler ou récapituler où est-ce que ça se trouve, regardez, on a parlé de 980, on a parlé de 635, elle est dans le visible. C'est une lumière qui est violette à peu près, donc proche de l'ultraviolet. Donc si vous voyez votre GPS, il est essentiel de voir quelle longueur d'onde on utilise et on est dans quelle zone. Donc là, on est dans une 405, on est dans le visible. Donc c'est une fluorescence, une forme de photoluminescence qui se définit par l'absorption de la lumière ultraviolette par les chromophores des structures dentaires qui va nous aider dans le diagnostic. C'est une procédure qui est très simple. Donc elle n'est ni invasive, elle est pour le patient, ni pour les patients d'ailleurs. Elle est rapide. Vous n'avez pas besoin de préparer, il n'y a pas de préparation spécifique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à utiliser des photosensibiliseurs ou autres. Vous allez, ça va vous permettre de visualiser directement pas mal de choses. Elle va aussi vous donner une idée sur l'étendue des fois des lésions. Et surtout, ça va vous faciliter la communication avec vos patients. Parce que des fois, le patient, il vous dit, moi, docteur, j'ai rien. Mais une fois que vous faites un diagnostic précis avec des moyens qui sont précis et d'actualité, vous pouvez communiquer beaucoup plus facilement et l'acceptation du traitement, elle est beaucoup plus facile. Et ça peut être utilisé aussi pour les hygiénistes, pour ceux qui ont les hygiénistes. Donc, ça permet de voir la dentine, l'émail, les taches blanches, le tartre.
Donc, ça permet de voir pas mal de choses. Donc, voilà la pièce à main et les lunettes. Vous devriez avoir une pièce centre, pas complètement obscure. Et vous devriez vous situer à peu près à 10 cm de l'objet testé. Ça peut être indiqué en densité réfractrice, en ondeau, en frontière, en paro, en taux, en taux. Là, par exemple, ça vous permet de voir l'étendue d'un bridge. Là, ça va vous permettre, par exemple, de voir quelques taches de carie. Vous voyez, ça vous aide. Là, ça vous aide aussi de vous aiguiller dans l'excavation, par exemple, du carie. Des fois, on traite les caries, mais on ne sait pas ce qu'on est encore dans une dentine affectée ou infectée. Grâce à ces moyens diagnostiques, vous pouvez être aiguillé d'une façon sûre et simple dans le gestuel pour éliminer les tissus d'une façon très sec. Ça peut aider aussi dans les syndromes des craquements, surtout les fissures, surtout dans des dents des fois saines, où vous avez tout le sillon mésiodistal qui est fissuré, voire craquer, c'est un syndrome qu'on voit de plus en plus. Et donc, la douleur est inexpliquée. Des fois, quand vous voyez ça avec une lumière précise, vous pouvez précisément voir l'étendue de la lésion et de poser le diagnostic. Comme ici, par exemple, une dent saine ou une fissure. Donc, ça permet de poser le diagnostic facilement. Là, ça permet de voir, par exemple, des composites, du tartre, des couronnes. Donc, vous voyez, l'interaction de la lumière avec les structures dentaires est différente. Donc, ça vous aiguille, par exemple, dans le choix thérapeutique que vous allez faire et l'explication surtout au patient. Des fois, il vous dit, moi, docteur, je ne sais pas, je n'ai aucun problème, je n'ai pas de plaque, rien, je n'ai pas de biofilm, je n'ai rien. Il suffit juste de prendre une photo comme ça ou de lui montrer. Il va tout de suite comprendre qu'il a quelque chose qui ne va pas. Des étendues, par exemple, des lésions inflammatoires au-dessus des couronnes mal adaptées. Comme vous voyez, vous pouvez voir avec la lumière une fois sur les couronnes l'étendue de l'inflammation. Les autres dents, vous voyez l'illumination, elle est complètement différente. Les couronnes, l'interaction avec la lumière est complètement différente. Je vais passer rapidement parce que le principe de la fluorescence, ça, c'est un retour. Donc, vous envoyez la 405, pardon, et vous avez un retour de lumière qui va vous donner, qui va vous permettre de diagnostiquer ces lésions. Vous pouvez l'utiliser aussi dans le diagnostic des lésions, surtout dans des lésions orales. Là, on a affaire à un palais sain. Là, par exemple, pour voir l'étendue de lésion. De suivi. Là, une lésion d'un cancer labial inf. Vous voyez, quand on donne la lumière, l'interaction avec la lumière donne exactement l'étendue de la lésion, de gauche à droite. Chose qu'on ne peut pas faire d'une exactitude avec l'examen clinique. Les lésions du palais aussi. Les lichens plans avec une carie associée. Vous voyez le lichen plan, comment il réagit avec la lumière. On peut utiliser ce laser-là aussi pour la médecine esthétique. J'en fais pas, mais je peux partager avec vous en deux ou trois slides. Ça peut être utilisé pour ceux ou pour celles qui s'intéressent énormément à ça. C'est très, très utilisé, c'est très en vogue. On utilise énormément les lasers erbium, mais même les lasers diodes, ils sont utilisés. Pour ceux qui ont les erbium, il y a des artifices spécifiques, des pièces à main spécifiques pour la cosmétique, pour les diodes aussi. Donc, je ne rentre pas dans les détails, c'est pour la réduction des rides, les lissages des peaux, réduction de la porosité, il y a un effet éclaircissant, vous pouvez éliminer ou atténuer pas mal de choses. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec un laser diode. Bien sûr, il faut utiliser des pièces à main spécifiques, des lunettes spécifiques, aussi bien pour le patient que pour le praticien. Vous avez une case dédiée à ça, en haut à droite, Aesthetic Medicine, donc vous pouvez l'utiliser pour ceux qui s'intéressent, c'est très important. On m'a demandé de traiter le marketing, c'est compliqué en 3-5 minutes parce que le marketing, il est très important.
dans notre pratique quotidienne. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un investissement, on veut faire un retour sur investissement. Donc, la première des choses, déjà, quand on parle de marketing au laser ou en général, il faut d'abord modifier l'état d'esprit. Et quand je parle modifier l'état d'esprit du dentiste. Ce n'est pas le patient. Le patient, déjà, il suit la tendance, c'est-à-dire qu'il va suivre tout ce qui est social. Comme on l'a dit la première fois, il est déjà connecté, il est sur les réseaux sociaux, il a la possibilité de comparer. Et donc, comment voulez-vous, par exemple, acheter un laser avec 10 000 euros ou 12 000 euros et vous avez une salle d'attente ou une salle de soins qui ne reflète pas votre laser? C'est quasiment impossible. Et ça, c'est praticien indépendant. Donc, déjà, la première des choses, c'est de modifier ces vieilles habitudes, de modifier ce qui nous entoure. Ça ne demande pas des investissements énormes. Un petit coup de rajeunissement ou de fraîcheur, ça ne demande pas des milliers d'euros. Donc, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande juste de la motivation. Donc, déjà, quand vous modifiez votre salle d'attente, vous modifiez votre box, ça change d'état d'esprit. Vous pouvez aussi mettre des petits tracts ou des petits flyers sur votre comptoir ou à côté des revues qui lisent en parlant un petit peu du laser. Déjà, ça modifie l'état d'esprit du cabinet. Ça, c'est très important. Puis, la deuxième des choses, il faut faire une grande différence entre le marketing et la publicité. Il y a des pays où la publicité est tolérée. Donc là, on n'en parle même pas. Je parle chez nous en Afrique et notamment en France où la publicité, je pense qu'elle est interdite. En tous les cas, en Europe, elle est interdite. Le marketing, c'est autre chose. C'est comme si vous faites un packaging. C'est comme si vous préparez quelque chose et vous la mettez en valeur pour la vendre facilement. C'est l'effet inverse qui est recherché. Ce n'est pas de la pub directe où vous dites, voilà, j'utilise le laser, j'ai ces effets-là, j'ai un résultat A, puis un résultat B. Donc, c'est complètement différent. Les enjeux du coût et de la concurrence. Beaucoup de praticiens me parlent de ce volet-là. Je ne peux pas rajouter dans mon devis ou je ne peux pas rajouter dans mes honoraires. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence et le monsieur qui est à côté, il est beaucoup moins cher que moi. Ben, il y a deux volets. Soit pour ceux qui ont des devis lourds comme l'implantologie, l'esthétique et tout ça, là, ça ne mérite même pas de l'inclure. Vous pouvez l'inclure en tant que plan de traitement, mais pas dans le devis. Pour la concurrence, je vais vous répondre tout de suite. Il suffit de trouver les mots et de trouver le temps pour parler avec votre patient en dehors du fauteuil. C'est-à-dire que vous devriez lui expliquer que ce que vous êtes en train d'utiliser n'existe pas chez la concurrence. Ne vous le visez pas. C'est-à-dire que vous allez lui dire que votre plateau technique, il est largement supérieur à celui qui est à côté. Et ce plateau technique requiert un investissement. Donc, si moi je diminue le prix, c'est au dépend de votre santé. Donc, c'est ça la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est de mettre en valeur ce que vous avez acheté. Et de ne pas se comparer à celui qui est à côté. Si vous passez votre temps à vous comparer à celui qui est à côté, croyez-moi que vous n'allez vendre ni le laser ni autre chose. Vous n'allez pas avancer. C'est comme si vous vous comparez avec quelqu'un qui a un Colbin, avec quelqu'un qui a une panoramique. C'est quasiment incomparable. Donc, il faut savoir se vendre. Et savoir se vendre, c'est avec les arguments, avec l'explication. Le coût par rapport à la valeur, là, c'est un autre volet aussi. Le coût, bien sûr, c'est un coût. Et grâce à l'industrie, on est aujourd'hui ici, on est réunis. Donc, le coût, c'est ce que vous avez investi. La valeur, ce n'est pas en argent. La valeur, c'est comment vous valorisez l'acte, comment vous valorisez votre pratique quotidienne. C'est ça, la valeur. La valeur, ce n'est pas ce que vous allez encaisser ou décaisser. C'est ce que vous avez mis en valeur, le matériel que vous avez acheté. C'est-à-dire que vous allez pousser le patient à demander, à poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça, docteur? Et on avait parlé la dernière fois. Aujourd'hui, le laser diode, il faut le poser comme un départeur à côté de vous. Et croyez-moi que les patients vont commencer à poser des questions. À quoi sert ce matériel? Donc, c'est ça, la valeur. Le coût, c'est autre chose. C'est ce que vous avez dépensé pour acheter votre laser. Ça vous concerne pour vous. Développer un meilleur style de vie, je ne vous demande pas de changer, mais je demande surtout pour ceux qui résistent. Il y a énormément de praticiens qui résistent. Et ils résistent pas par rapport au laser, ils résistent par rapport à tout ce qui est évolutif. Je parle ici pour ceux qui font encore de l'endo manuel, au lieu de faire de l'endo mécanisé après la fait ses preuves, de ne pas utiliser par exemple des piles de temps pour faire des extractions. Donc là, c'est le meilleur style de vie que vous allez vous donner dans votre cabinet. Pensez à une chose.
le temps que vous passez au cabinet est beaucoup plus important que le temps que vous allez passer ailleurs. Vous passez beaucoup plus de temps en volume horaire chaque jour dans votre cabinet. Donc, ce style-là de vie, il faut qu'il soit amélioré. Je ne parle pas du style de vie à l'extérieur. Je parle du style de vie dans votre cabinet. Donc, plus vous vous donnez envie à travailler, plus vous vous donnez les moyens pour bien travailler, plus votre style de vie dans votre cabinet va changer. Donc, c'est ça le message le plus important que je veux partager avec vous entre le marketing, le style de vie, la vie dans le cabinet. Donc, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour de table de cette question-là. Ça m'a été demandé la dernière fois, mais c'est très difficile de le faire en 5 minutes. Donc, j'ai essayé un petit peu de répondre aux points clés pour amener à bien ce changement. Donc, je n'ai pas envie de vous quitter parce que je ne vais pas dire au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis disponible. Ça ne me dérange absolument pas. Pour ceux qui veulent beaucoup plus de précision technique sur le matériel, tout ça, c'est lasotronics.pl, Poland. Excusez-moi, j'ai dit com, mais ce n'est pas com, c'est Poland. Donc, vous pouvez poser des questions, ils sont à votre service. Ils peuvent répondre à toutes les si vous avez des questions sur les machines ou autres, il n'y a aucun problème. De mon côté, moi, je suis disponible. Même en dehors de ces questions-là sur le chat, vous pouvez m'écrire, je répondrai volontiers, avec plaisir. J'espère qu'on a passé d'agréables moments pendant ces 4 modules. Donc, je vais laisser place à Mademoiselle Mehdi à Tunis pour les questions-réponses. Je suis à l'écoute et j'attends vos questions. Merci beaucoup, docteur Antman. Nous avons une question de M. Henri Ouazana. Oui. Sa question est, avez-vous pu étudier l'action du laser sur l'amibe, entamoeba, gingivalis? Sur le performant gingivalis. Donc, est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce que j'utilise la PDT et quelle est la certitude d'avoir traité le performant gingivalis, c'est ça? Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter la question si ça ne vous dérange pas. Avez-vous pu étudier l'action du laser sur l'amibe entamoeba gingivalis? D'accord, alors je vais répondre à la question, si j'ai bien compris la question. Sinon, il peut la reformuler. Vous savez, la PDT, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Donc, ça a été publié. Et j'ai partagé avec vous une méta-analyse. Notre entier, c'est tout ce complexe-là de Sokransky qui est très compliqué à gérer. On sait très bien que le performant gingivalis est la bactérie la plus résistante. Le AA, c'est après 20 minutes, allez, on va dire 30 minutes, il est out. Donc, ce qui fait qu'on a cette aptitude d'avoir le AA sous la main, plus ou moins. Le performant gingivalis, c'est une bactérie qui est très résistante, résiste beaucoup plus, elle est brune. Et donc, en utilisant un colorant, on est beaucoup plus spécifique dans l'attaque bactérienne. Ça, c'est la chose la plus importante. La PDT, elle a fait office de plusieurs publications que vous pouvez trouver sur PubMed. C'est vrai qu'il a raison, mais en une heure, je ne peux pas m'étaler sur la PDT. Déjà, la 635, il vous faut une journée entre la biomodulation et la PDT. Déjà, on n'a pas parlé de la thérapie de la douleur. On n'a pas parlé de l'endodonte. On n'a pas parlé de la restauratrice. On n'a pas parlé de pas mal de volets. J'ai exprès choisi ce qui est le plus utilisé quotidiennement chez les praticiens, c'est surtout la parole. Et après, les lésions de la sphère orale. Maintenant, sur PubMed, il va en trouver autant qu'il veut sur la 635 et sur la PDT en général. Donc, ça a fait ses preuves. Et la communauté européenne, je parle spécifiquement de la communauté européenne, sur le site, je pense, il y a un site où il parle des résistances et de l'utilisation des antibiotiques. C'est énorme. C'est énorme comme utilisation d'antibiotiques en parodontologie. Et donc, il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, le laser, il donne cette alternative-là. Et ça a été publié. Et pas mal de sociétés françaises ont résisté, surtout les sociétés de paro, à accepter le laser comme adjuvant ou comme thérapeutique associé au traitement parodontal classique. Aujourd'hui, la Société française de laser
allemandes de laser et tout ça, ont pu avoir gain de cause. Et d'ailleurs, s'il rentre sur le site de la Société française de laser, il va trouver ces protocoles-là, notamment la PDT, qui sont utilisés, documentés. Donc, il n'y a pas que nous qui avons inventé ça. Donc, la PDT, elle est de mise. Il n'y a aucun doute. Mais ça ne remplace pas les thérapeutiques classiques. Maintenant, le complexe Sokranski, si on veut être beaucoup plus précis dans l'affaire, ben, il faut faire un examen à la PCR, voir qu'est-ce que vous avez comme germe, faire la culture, et après avoir une certitude des germes qui sont dans la poche, avant de commencer le traitement parodontal. Est-ce que vous avez tous les patients qui peuvent se permettre de faire ces examens-là? Je ne pense pas. En tous les cas, de notre côté, nous, de notre continent africain, le côté français, je sais qu'il y en a qui le font, mais pas tous, même les parodontistes chevronnés. Aller faire des examens PCR pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans dans les poches, ça coûte de l'argent, ça demande du temps, et il faut le faire accepter aux patients. Donc, j'espère que j'ai fait le tour de la question. Il y a une autre question? Oui, oui. Question de M. Ryan. Il a dit j'ai raté le troisième module. Pourrais-je avoir l'enregistrement? Ça, l'enregistrement, je vais demander tout à l'heure avant de fermer la session aux gens de l'Azotronix. Ce n'est pas moi qui enregistre, honnêtement. Donc, c'est une plateforme qui est gérée depuis Varsovie. Donc, je vais demander, je vais poser la question. Je ne sais pas dans quel pays il est installé. Et on va voir avec le dealer de son pays. Il suffit juste de nous dire. Il va avoir la réponse via son dealer. Est-ce qu'il est en Tunisie, au Maroc ou en Algérie? D'accord. Il me précise et on lui donne la réponse. D'accord. Donc, Monsieur Patrick. J'ai vu d'autres questions sur les modules 1 et 2 et 3. Il n'y a aucun problème, il faut voir avec vos dealers respectifs. Voilà, en Algérie, il faut voir avec Dantina et M. Mourad va vous donner la réponse. C'est lui qui va s'en charger. D'accord. Monsieur Patrick, vous dit, où êtes-vous au Maroc? On peut venir vous voir à votre cabinet? Avec grand plaisir, je suis à Marrakech, c'est la ville la plus visitée du Maroc. Donc, c'est la ville que tout le monde aime voir. Donc, j'ai cette chance-là de vivre dans l'une des plus belles villes du Maroc, qui est Marrakech. Donc, pour ceux, que ce soit en France ou en Afrique, vous êtes les bienvenus. Il demande aussi, Monsieur Patrick, il demande oui. Sur quel site peut-on trouver des publications. Il va sur PubMed, la meilleure publication. Vous allez sur PubMed. La bibliothèque est ouverte pour tout le monde. Il va taper, par exemple, douleur au PDT 635. Il va trouver. Oui, surtout sur la PDT et sur l'utilisation en endo. Il n'y a aucun souci. Il va sur PubMed, il va trouver tout. C'est la bibliothèque qui est la plus répertoriée, la plus sérieuse. Et on ne peut pas publier des choses qui ne sont pas sérieuses. Donc, moi-même, les publications que j'ai partagées avec vous avant, dans les derniers modules, sont toutes extraites de PubMed, presque. Et on peut les comparer avec d'autres sites. Des fois, ils sont publiés dans d'autres sites, parce que des fois, la publication n'est pas ouverte et sur d'autres sites, elle est ouverte. Donc, ce qui fait qu'on la cherche, on la compare et on voit les auteurs. Et à ce moment-là, l'étude ne peut pas être acceptée si elle n'est pas sérieuse. Croyez-moi que c'est du sérieux, ce n'est pas de la rigolade. Donc, tout ce qui est laser, il est publié, il est d'actualité. Donc, mettez les mots-clés, c'est-à-dire 980 ou 635 ou autre, paro, décontamination par exemple. Il aura toutes les publications possibles. Très bien. Madame Rim Belaïdi, sa question est la stimulation des mouvements orthodontiques. Par la longueur 635. Parfait. Peut-être que j'ai vu sa question passer. Est-ce qu'elle parle d'alignage ou de multibag? Pour les deux, ça marche. Hein. Pour les deux, ça marche. Pour être très honnête, on a commencé à répertorier les cas. Si j'ai la chance de partager avec vous cette expérience-là, vu que j'ai un orthodontiste avec moi, on est en train de répertorier les mouvements orthodontiques. Et donc, il y a un résultat, il y a une stimulation. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse en orthodontie,
c'est tout ce mouvement avec toute sa physiologie. Il n'y a pas que le mouvement sur le plan mécanique, c'est sa physiologie qui nous intrigue le plus. Les orthos le savent très très bien. Donc, ça demande beaucoup de temps pour l'expliquer, mais ça existe. Les orthodontistes l'utilisent aussi. Il y en a qui utilisent les piezo-incisions pour accélérer le mouvement. Nous, on a abandonné cette pratique-là parce qu'on trouve qu'il est un petit peu, pas barbare, mais un petit peu choquant, surtout pour les adolescents et les jeunes. Donc, on ne fait que de la biostimulation et on a de très, très bons retours. On biostimule aussi juste après les activations des arcs pour la première pose des aligneurs. Déjà, ça nous évite la douleur et ça nous stimule le déplacement. Et on voit nos patients une fois par semaine. Et à chaque changement d'arc, il y a un protocole. C'est-à-dire on refait le protocole. Donc, pour les orthodontistes, ils le connaissent très bien. C'est au changement d'arc qu'on commence un cycle. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu brièvement, mais la réponse est beaucoup plus large parce que je dois rentrer avec vous dans la physiologie du mouvement. Et c'est dans cette physiologie-là où la 635 va agir. Ce n'est pas dans le mouvement lui-même, ce n'est pas de la biomécanique, ce n'est pas mécaniquement qu'elle va agir. Elle va agir physiologiquement. Donc, il faut faire la part des choses. Mais elle peut aller aussi sur les publications, ça existe. Voilà. Il y a d'autres questions ? Monsieur Patrick, encore une fois, il s'interroge sur quelle attitude, attitude pour la douleur, altitude. Parfait. Alors, pour la douleur, durée et fréquence. Pardon ? Quelle attitude devant la douleur ? Il s'interroge sur la durée et la fréquence. D'accord. Patrick, les aligneurs, c'est la longueur 635. On utilise la longueur 635. Oui, la 635. La 635. La douleur, la 635. Pour la douleur, d'abord, il faut voir l'origine de la douleur. Est-ce que c'est une douleur post-chirurgicale, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait une extraction chirurgicale, d'une dent sagesse inférieure ou une extraction simple en haut. Pour les protocoles, ils sont très très bien définis et ils sont bien faits, bien réglés dans la machine. Il suffit juste d'avoir le bon applicateur. Généralement, j'utilise le 8 mm. Dans le 8 mm, par défaut, vous avez le réglage. Il suffit, s'il vous plaît, pour ceux qui commencent, de ne pas changer les réglages. Il suffit d'appuyer une seule fois et d'irradier cette zone-là. Si vous avez une dent, vous allez irradier cette dent-là, que ce soit de côté lingual, du côté vestibule. Si c'est une dent sagesse inférieure, vous allez irradier le cycle, puis vous allez irradier tout au long du trajet du nerf alvéolaire inférieur, c'est-à-dire de la 8 vers la 4 ou la 5, vers la sortie montonnier. Toute cette zone-là, vous allez l'irradier. Une fois que vous l'avez irradié, vous avez un effet ontalgique qui va s'installer déjà. Donc, vous allez éviter la douleur. Pour ceux qui ont des trismus, vu que le patient ne doit pas ouvrir, le trismus, ce qu'on essaye de faire, c'est de décontracter ces muscles élévateurs, surtout le masséter. Généralement, on va mieux stimuler le masséter. Et croyez-moi qu'il va agir facilement et physiologiquement. La thérapeutique de la douleur, c'est vague aussi. L'étiologie, elle est différente. La zone est différente. Mais ce que je préconise à ce monsieur-là, c'est d'utiliser le 8 mm qui est par défaut déjà installé et de respecter les protocoles qui sont dedans. Ça marche aussi bien pour une dent que pour plusieurs dents. J'espère que j'ai répondu à sa question. C'est bon ? Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Donc, voilà. Donc, je remercie tout le monde et je vous souhaite surtout une très, très, très bonne année. J'espère que 2021 sera meilleur et que vous serez laseriste. Espérons, oui. Voilà. Merci. Merci tout le monde. Merci, docteur Hoffmann. Merci beaucoup. Et bonne année à vous aussi. Merci, merci. Merci beaucoup. Nerveux. Merci. Thank you, Dr. Hoffmann. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nagiba, Hamidi. Thank you. Yes. Thank you so much for the support. Thank you, Lasotronics. Thank you, Lasotronics team. And thank you to
all our dealers from France, Morocco, Algeria, and Tunisia. Thank you so much for the support. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you very much, Dr. Othman Bashir, for your extensive trainings for the whole course. Thank you, Ms. Nebhah Maidi, for your support. Thank you. Thank you for you. Thank you. Yeah, I want to join Dr. Othman Bashir's words that I thank to all dealers as well, that you supported us due to the lack of French languages. So we really hope that everybody could gain skills, knowledge, and you can use this in your future career with our diode lasers. So next year, hopefully we're gonna have new trainings and we will be informing you very soon. So stay tuned with us, with our dealers. So hopefully to see you next year. We wish Merry Christmas and Happy New Year to everybody. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Happy New Year for you also. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Merci. Merci, Bye-bye. Doctor.